Yeah. Chaque semaine, nous mettons des riders au défi de créer une nouvelle discipline. Et cette fois, en clin d'œil aux récents Jeux Olympiques de Rio, voici le 50 mètres haies en BMX. On est 4 riders, tous parisiens. On est venu aujourd'hui pour relever un petit défi, on va faire une petite course, saut de haie. Je vais mettre un petit air en plein là. La hauteur des haies, on est à 80 cm. On voit que c'est quand même vachement haut, ça m'arrive hauteur de nombril. Pour des mecs qui font du parc comme nous, c'est déjà pas mal, on va dire. Nous, on fait du skatepark, on fait pas du street. On a un streeteux avec nous, Jordan Thibault. Il est habitué à faire des sauts comme ça dans la rue, donc le mec il saute 1m15 en règle générale. Moi je suis sûr que ça passe pas. Ah ouais, ça va, ça va bien. Ah ouais, ah ouais. Non. Mais bon, ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire. La foule est en délire. Les champions sont en tenue et prêts à affoler les chronos. Le règlement est clair. 3 manches, 3 courses pour faire la différence. Bienvenue à Malakoff. C'est parti très fort pour Baptiste au couloir 3, mais Jordan, couloir 1, revient très vite, serré de près par le couloir 2. Samy au couloir 4 est complètement largué et c'est Jordan qui remporte la course. Moi je pédale pas entre les trucs. Ah ouais? Bah non. Rien du tout. T'arrives pas? Non, c'est pas normal. Je te jure. Ah oui. Les résultats de la première manche, Samy est bon dernier avec 10 points, Baptiste est deuxième, Romain troisième et Jordan premier. Et c'est parti pour la deuxième manche, Jordan couloir 1 prend du temps à démarrer, mais il revient très vite. Quelle technique! Couloir 2, c'est la faute de pied et l'abandon. Victoire de Baptiste au couloir 3 qui chute! Oh là là! Ça va? Oui, ça va. Mauvais contrôle. Mauvais timing. Ouais, j'ai voulu partir sur un sprint au début, après sauter sur le vélo, enchaîner le bunny up, mais ça passe pas en fait. Classement de la deuxième manche, Baptiste premier, Jordan deuxième, Samy 3 et Romain ferme la marche. Dernière manche, Romain au couloir 2 utilise les défauts du tracé pour éviter l'obstacle et prendre de vitesse tous ses concurrents. Ce n'est pas très fair play mais extrêmement efficace, bravo! Ah! J'ai fait 3! Bonze, bonze! Faut voir la vidéo, bonze! Sûrement être éliminé pour tricherie. Tricheur. Il y a eu de la triche pendant ces Jeux Olympiques, monsieur. Là, ouais. Tricheur. Au classement final, c'est Jordan, le grand vainqueur du 50 mètres BMX, est suivi de près par Baptiste et Samy. Romain, sanctionné pour tricherie honteuse, termine naturellement quatrième. Mais retournement de situation, Samy, beaucoup plus costaud que Jordan, récupère la plus grosse coupe. Vive le fair play et vive le sport.